Yo, salut à tous, ici Chita, j'espère que vous allez mal et que vous n'avez pas de morale, mais vous trouvez c'est une vidéo joviale. Et on est parti pour le 15e épisode sur notre saison sur Aberration. Dans cet épisode, les gens, on va regrouper tous les bulldogs qu'on a pu tame depuis le début du serveur. On va commencer à faire de la reproduction parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir un tournoi de bulldogs d'ici quelques jours sur le serveur. Du coup, on va avoir le meilleur bulldog du monde. On va donc faire de la reproduction en masse de bulldogs, mais pas seulement. On va pouvoir tester pour la première fois notre arène de duel de bulldogs avec des petits gars qui passaient par là. Les pauvres, je les plains parce qu'au final, leur biquette leur a pas fait long feu. Mais c'était bien sympathique, avec du RP, avec des discussions IRL, plein de choses. Épisode fort sympathique, j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Chita. Ciao! Alors. Plaque. Parpouné, c'est mignon, qui dit Poketor. Oui, c'est mignon. C'est Parpouné. C'est mon bébé. C'est quand tu bouges que ça bug. Non mais pour deux raisons ça bug en fait. La première c'est que il y a beaucoup plus de distance qu'avant entre moi et le fond vert derrière moi. Là vous vous rendez pas compte mais il y a deux fois plus de distance. Et en plus de ça j'ai pas bien installé les lumières blanches parce qu'elles sont juste posées là, juste pour le live en fait. Après je les range parce qu'en ce moment comme je vous dis je fais une purge chez moi. Et du coup il y a rien qui reste en place à chaque fois. Je suis obligé de tout déplacer, etc. Je suis en train de jeter plein de trucs parce que chez moi j'ai accumulé trop de choses ces 4 dernières années. Et du coup, je commence à filer ça à des potes, à appeler Emmaüs. J'ai des trucs à vous donner, j'ai un canapé, j'ai machin, j'ai des trucs. Et du coup, là, les lumières blanches sont pas du tout bien positionnées, quoi. Toujours aussi belle chaise. Arrêtez de vous moquer. Donnez des bits et j'achète une chaise. Voilà. Les seules personnes qui peuvent se moquer de ma chaise, c'est Cannabis et Itsu. Voilà, parce que eux ils ont fait des donations pour que j'en achète une nouvelle. Voilà. En même temps, mais... Trop de YouTube monnaie. Mais je monétise même pas mes vidéos sur YouTube, les gens. Ne parlez pas de YouTube monnaie, je les monétise même pas quoi. Depuis que. En plus, j'ai regardé. Si j'avais monétisé mes vidéos sur YouTube depuis le début de la chaîne. Donc à savoir. Oh, merci pour les bits. 100 bits Mitsu, achète une chaise. Merci Mitsu. qu'est-ce que je vais dire? Si j'avais monétisé ma chaîne depuis le début les gens, j'ai regardé sur ce que ça m'aurait rapporté et ça m'aurait rapporté 1000€ pour vous dire. Franchement, je préfère me dire que j'ai payé 1000€ pour éviter qu'il n'y ait aucune pub sur aucune vidéo pendant un an, tu vois. Donc ça m'aura pas forcément rapporté beaucoup. Calculer 1000€ sur l'espace de... On a commencé la chaîne il y a quoi? Il y a à peu près 2 ans. On a commencé de manière sérieuse il y a 1 an. Enfin on a commencé à mettre des vidéos. Du moins beaucoup plus régulièrement il y a 1 an. Donc voilà quoi. Merci encore pour les pets. Il veut acheter une chaise en or. Qui dit Cannabis. En vrai les gens, si vous avez des contacts ou des infos sur des partenariats, par contre, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés par rapport à ça. Parce que je vais bientôt m'en occuper. Parce que je n'ai absolument fait aucune demande contrairement à beaucoup d'autres streamers, petits ou gros. Je n'en ai jamais fait. Il faut que je regarde quand même ce que ça pourrait m'apporter en soi. Je sais qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'avais jamais fait... Enfin, je m'étais toujours dit, ouais, c'est tout le monde est chez eux, alors j'ai pas envie d'aller chez eux. C'est chez, comment il s'appelle, Instant Gaming. Et j'ai regardé un peu, et il y a moyen que... En fait, c'est aussi par rapport à la... Comment dire, à la visibilité que tu as. Et moi, il y a moyen que j'arrive à choper un truc intéressant. Hein. À savoir, si j'ai bien compris, un truc classique, en mode, si vous allez chez eux pour acheter un jeu et que vous mettez le code Chita ou n'importe quoi, vous allez avoir une réduction de, je sais pas moi, de 5%, 10%, 20%, j'en sais rien. Mais derrière, par contre, sur chaque personne qui auront acheté un jeu grâce à mon code, entre guillemets, comment dire, me rapportera 1€ sur leur site. Donc en fait, si admettons que vous êtes 50 à avoir fait ça, mais moi derrière j'ai le nouveau jeu qui est sorti pour le faire en live gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que ça peut être intéressant. Ça me permettrait d'éviter de mettre des thunes pour acheter des jeux. Ou même, il y a des jeux où je peux pas avoir les clés directement. Il y a des petits jeux
où les développeurs m'envoient des clés, mais les gros jeux, autant te dire que Assassin's Creed, ils vont pas m'envoyer une clé, tu vois. Ils s'en battent les couilles de moi. Oh, mince! Vite! Et j'ai ma présidence sur moi. Du coup, peut-être qu'on fera ça plus tard. Pour l'instant, c'est pas une priorité, mais. Faut que je m'en occupe. Oh! Wow! Ils naissent tous! Ils font caca des bébés! Il y a eu des jumeaux! Je t'avais dit. Oh! Viens ici! J'arrive même pas à les attraper, ils sont trop petits! Il y en a encore? Il y en a encore un. Et je suis con par contre, j'ai même pas désactivé la tourelle au-dessus, elle les a même pas tués. Ah, c'est hors de portée. Allez, prends ta viande. Tout ici. Tout ici. Toi, c'est bon. T'as combien j'en ai eu? J'ai même pas eu le temps de regarder les stats. Allez. On a une armée de bébés, quoi. Allez, ceux ça! qui voudront pas, purée, Allez, ça! cajou en bas. Hein. De quoi? Ceux que t'auras pas utilité, au pire, on les mettra les cajou en bas. Oui, voilà, c'est ça. Clairement. Hop. Je vais quand même de les séparer un peu. Une DX Racer, c'est quoi? C'est une DX Racer Cheater Killer? Je sais même pas ce que c'est. C'est une marque de chaise? C'est ce Ouais. que c'est, toi, une DX Racer? C'est une marque de chaise, ça. Ouais? Je sais pas si Stitchy il a pas ça. Si, t'as ça sur Tapacha, je crois, tu peux en avoir. De quoi? Sur Tapacha, tu peux en avoir, je crois. Ok. Je connais pas, pour vous dire salut RC. Pour vous dire, je connais absolument pas. En vrai, mon fauteuil est super bien. C'est juste que bon, maintenant, il est trop vieux. Mais dites-vous que j'avais fait une affaire de ouf pour ce fauteuil-là. Hein. Dites-vous que ce fauteuil, normalement, il était à près de 500 euros le fauteuil. Et il était en réduction à genre à 60% dans un magasin. Donc 60% déjà tu économises bien. Et j'étais avec un pote et ça faisait quand même trop cher. Hein. 60% ça me faisait quoi? Le truc était à je sais plus à 150 euros, un truc comme ça. Peut-être un peu plus. Et j'avais pas envie de cliquer 150 euros enfin comment dire, je cherchais plus un fauteuil aux alentours de 100 Tiens, c'est euros. ça. Et du coup j'étais avec un pote et comme c'était en fait un modèle et quand on s'est dit on va quand même peut-être comment dire on cherchait en fait du coup les modèles qui s'emballaient. On allait voir le vendeur et leur a demandé si, où est-ce qu'on pouvait le trouver parce que celui-là était en démonstration. Et il m'a dit bah, il y en a plus en rupture de stock et c'est le dernier qu'il y avait. Du coup on a négocié pour qu'on passe de 60% à 80% en prix parce que c'était un modèle de démonstration. Mais qu'est-ce que tu veux? Enfin genre ça me dérange pas de payer moins cher. Et du coup, je l'ai payé 80 balles à la place de presque 500 balles. Parce que bah, pendant 2 semaines, il y a des gens qui s'étaient assis dessus, mais je m'en foutais complètement. Et sachez qu'en fait, s'il était si cher, c'est parce qu'il fait massage, chauffage, il fait plein de trucs. Il fait truc démo, je sais pas quoi, il te refroidit aussi, air machin truc. Bref, mais bon, faut le brancher quoi. Donc tu le fais au début, puis au bout d'un moment, t'en as marre. Parce que tu as le vieux câble qui part de la chaise jusqu'à une prise, tu vois. T'es en mode, tu peux pas vraiment déplacer la chaise du coup. Ou du moins, tu Mmh. sais, t'as à Il faut chaque que tu fois te lèves, la. tu arraches le câble. Hein. C'est pas ça, c'était pas encore ça, ça va. Mais c'est surtout que le câble se met dans la roulette, tu sais, à chaque fois. Et du coup, ta Ah roulette oui. marche plus, tu sais. T'es en mode, ah! Au bout d'un moment, je pétais un câble. Ah ouais, ça a l'air stylé comme. C'est confortable comme chaise, ton truc. Mais Ah, c'est pas par donné, contre, quoi. ouais. C'est pas donné, ouais. Les prix font mal. Oh non, ouais, moi, je vais prendre un tabouret. J'ai hésité pendant un moment à prendre une comme ça aussi, mais quand tu vois le prix, ça Ouais fait mais trop. mec c'est une vidéo aussi chère qu'un ordinateur, hein, faut arrêter. C'est ça.
Après, t'as certains modèles qui sont beaucoup moins chers. Ah bah t'en doute pas, mais pff, voilà quoi. Ouais, parce que. Regardez les gens. En vrai, je vous ai menti depuis le début. Depuis le début, j'avais acheté ma chaise et j'attendais juste que vous me fassiez des dons pour vous la montrer. Regardez, je vous la montre. Ma nouvelle chaise gaming. Il va sortir le putain bourré. Regardez, vous avez vu ma chaise gaming? Elle est trop bien. Ultra pratique. Hein? Sans dossier, parce que le dossier en vrai c'est pour les vieux. Voilà. Donc voilà, maintenant. Allez, adieu la chaise de merde. Mon nouveau sponsor. J'ai une nouvelle chaise gaming. Hop là, ultra confortable, en plastique. Le truc c'est que c'est ma mère a acheté ça il y a peut-être 10 ans. Le truc il est même pas. Il est même pas stable. Regardez. Regardez les gens. Regardez. Attends, je sais pas si je peux vous montrer. Je peux vous montrer? Non, je peux même pas vous montrer. Le truc il est. Il est tordu. Voilà, ma nouvelle chaise gaming. Ah, allez, on est bien. Pousse-toi, toi, tu pues, toi, t'es nul. Voilà. Alors. Hop là. Alors, on va s'occuper, hein. Ah, bah, ça, on est bien. Ah, je me sens vraiment confortable et tout, bien installé. Hop, 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 hop. Là, tu les rageurs, t'as une chaise gaming, elle est dégueulasse. Et le gros avantage de celle-là, de chess gaming, c'est que vous pouvez pas voir le dossier, donc vous pouvez pas voir à quel point elle est défoncée. Pas comme l'autre. Vous pouvez même pas savoir. Eh oui! Il essaye de rentrer chez nous. Hein? Mais les fadas! Attends, mais les fadas. Viens ici, toi! Viens ici! Viens ici, je te dis! T'es un fagnat, toi! T'es un foufou de la vie! Viens ici! Oh, il est là-bas, il est là-bas! Viens ici, toi! On est mort! On est mort! Je t'ai vu, t'as essayé de rentrer chez moi, toi! Viens ici! T'enfuis pas, viens ici! Viens ici que t'es. J'ai vu, t'as essayé de rentrer chez moi! Hein. T'as essayé de rentrer chez moi, je t'ai vu! Voilà! Tu bouges plus! Sinon, je te reconnais sur la tête, monsieur, vous êtes en état d'arrestation, ouais. Vous êtes un fou dingo, hein! Maintenant, je vous tiens, je vous ai mis un traceur sur vous! Alors, je vais vous pister et vous pourrez plus vous dépasser, soyez au courant! Faites attention, hein. Il y a le taré, il y a écrit le tard. Oh, il y en a un autre! Voilà! Et toi, monsieur, bouge plus! Voilà! Hop là, toi aussi, t'as un traceur sur toi! Hein. Je vous surveille tous les deux! Hein. Attention, au moins, faut pas, j'appelle la police aberrante! Hein. Faites gaffe, hein. Faut être prévenu! Hein. Ça sert à rien de me regarder avec tes crocs et tes dents mal lavées, hein. C'est bon! Hein. T'inquiète, j'ai des potes qui sont juste au-dessus de toi et ils vont te sauter dessus! Hein, c'est vrai, Léon! Tout à fait, Jean-Pierre! Ah, tu vois, j'avais dit. J'avais dit. Vous êtes nouveau ou quoi, dans quoi, c'est ça? Allô? Ouais, on a établi le campement sur l'autre île. Ah, ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est vous qui vous êtes installé en face là-bas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tout se passe bien pour vous, ça va? Bon, on a eu quelques problèmes avec les... quelques. Hein? Excusez-moi, je sais pas, vous avez un problème pour vous exprimer ou vous avez peur ou quoi? Je sais. Attendez, je vais le poser ici parce que je sais que mon bulldog il fait peur parfois. Allez-y, vous inquiétez pas, il ne regarde pas. Vous le disiez quoi? Non, mais on a eu deux trois problèmes avec des mégalodons. Avec des mégalodons? Il se fout pas un peu de ma gueule? Eh non, il se fout un peu de ma gueule, je crois. Hein. Des mégalodons ici. Je crois que. Ouais, sur le pont tout à l'heure. Un mégalodon? Mais. Un mégalodon sous le pont, quoi! Alors, Ouais, écoute, si tu veux, hein, je sais que les champignons derrière toi, faut pas les manger, hein! Je sais pas ce que t'as pris, mais. Y a pas trop de mégalodon dans le coin! Oui, putain, mais. Oui! Après! Bon, écoute, hein, chacun son délire, hein, personnellement, les champignons, je les fume pas trop, quoi! Oh! C'est quoi la tête de toi? Vas-y, rapproche-le! Il a une tête de dindon, un dindon géant. C'est un dindon clown. Oui, j'ai pas fait gaffe. Oh, vas-y, moi aussi, t'as une tête de dindon pour moi. Il faut que je meure pour ça. Oh merde. Putain. C'est trop. Non, c'est toi qui les offres, c'est toi qui l'as crevé pour avoir ça. J'ai piqué sur ton corps. T'es sérieux? Non, non, c'est mort, je meurs pas.
Écoutez, monsieur, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez un problème. Mais n'hésitez pas à pas venir nous voir si vous n'avez pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire, c'est. Voyez, oh bah tiens, pourquoi tu m'as jeté ton truc sur la tête? Tu veux faire un duel? Tu veux faire un duel de bulldog, c'est ça? Hein? Bien, j'ai en train d'entraîner mon bulldog. Chiant, je fais un duel. Hein? Si je gagne, tu te mets tout nu. Et si tu gagnes, bah t'as gagné. D'accord? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Ou t'as les frousses? Ah, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui vont casser, ça se voit, je vois. Allez, viens, fais un duel de bulldog, vas-y, tiens. Oh, c'est occupé, tu parles, ça fait 5 minutes que tu nous regardes les fesses, je crois que t'es pas vu. Occupé, ouais. C'est un meilleur. En plus, on a fait une arène, elle est presque finie, hein, c'est vrai, Lyon. Viens, on va faire un duel. Elle est finie. Venez, on vous emmène dans l'arène, on fait un. Vous êtes en train de faire en métal de l'autre côté. Et oui, c'est une arène spéciale pour voir des duels de bulldog. Venez. Moi, je vous défie en duel, vous allez voir. Moi, j'ai le meilleur bulldog. T'inquiète, ça lui ferait un entraînement, Allez, attention, je t'envoie Chuck Norris. Hein, tiens, Chuck Norris. Oh putain, il m'envoie une biquette. T'es prêt? Allez, c'est parti. Mais, réagis pas. Mais, qu'est-ce qu'a fait ta biquette? C'est la mal. C'est bon. Oh non, tiens, Chuck Norris. Bouffe ta biquette. Vas-y. Mais non, mais réfléchis, il faut pas. Vas-y, Chuck Norris. Bon, y'a Mickey. Oh, y'a Charco qui. Oh, y'a Charco, c'est interdit, hein. Les Charco, c'est interdit. Récupère ton Charco. Ah, t'abandonnes. T'es sûr? Ah merde. Je suis désolé, c'est pas fini. On va en chercher une à la base. Bon, bah, je suis désolé, mais ta biquette elle était pas assez résistante. Attends, hein. Je reviens, je vais t'en chercher une. Tu vas chercher une biquette? Ouais. On fait bien joué quand même. Hein. Bon, du coup, c'est parce que dans quelques jours, on fait un grand tournoi ici. Hein. Donc, n'hésite pas à te prendre ton meilleur bulldog et parce que venir et le préparer pour le combat et tout, quoi. Ou ta biquette, comme tu veux. Pas de problème. Dans ce cas, Chuck Norris, il a gagné son premier duel. Hein. Oh, c'est bien. Il a levé là pour moi. Je vais lui faire un bisou. C'est bien, Chuck Norris. Tu vois le Sarko, il te cherche, tu veux lui péter la gueule? Non, il est un peu gros quand même pour toi, Chuck Norris. De quoi? Tu veux quand même lui péter la gueule? Ah non, regarde ça, il a les crocs et tout, il a envie de te becter. Viens ici.